Un ses dramatic nesu. Obligar spuziți cordul cu aia, Carmina, carisma, flastra din ar. Mut, regi concretu. Va, mega fortuniți. Trex, ia full de caci. Piestă mă fă crump. Vlad mă fă vomit. Nici d'acord. Vlad magnificu. Vladimir Sanguiner na večin cortex port. Do not disturb. Everything's good. Just wait. Yes. Yes. Tu accroche que sa tête. Je hais les sous-titres. Pardon-moi, je m'incline pour vos chaussures. Elle arrive dans un instant, mon petit dragon, poplexique. Bah, voilà qui est bien. Quel âge?
35. Francis. October. Baron, ça est honneur de joindre arbre généalogique de vous. Bah, toute l'horreur est pour moi. Mon frère habite à Versailles. Malheureusement, on lui a coupé la tête il y a quelque temps, en 1789. Ah, les temps ne sont plus ce qu'ils étaient. Les temps, c'est l'argent. Comme vous avez raison. Et comment va votre usine? Très. Beaucoup n'avez. Import-export international, Romania, Bulgaria, Slovaquia, Azerbaïdjan. Azerbaïdjan? Oh, incroyable. Et faites-moi affaire avec les Américains. Yes, America. Ah, voilà qui est très bien. Ces Yankees poissons partout chez nous. Oh, comme je me la laisse stranguler avec leurs propres intestins et faire des boudins avec leurs sommes pourries. Calme-toi, mon sanglier. Mon sanglier! Carmina. Porter un toast à mon futur gendre. À celui qui fut prévôt sous l'occupation des hordes de Yaoncourt, les Tartares, technicien hématologiste au quartier général de la Gestapo à Budapest, chef sommelier pour Ceausescu. Commis d'un bourreau au ministère du Goulag en République socialiste de Transylvanie. Ah. Drano! Drano! Oui, mon mari, nous pensons. Mon mari et moi. Mon mari pense que vous serez un digne porteur de notre blason en cette époque si troublée. Nous ne craignons rien pour notre Carmina. Carmina? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Monsieur Grosbouc tape la chaîne.
A questo, cherche. Cherche, mes chers. Oh, oh. Ouais, Shabbat, tu restes là. Moi, je vais aller checker. Ben, c'est ça. Va checker, mais moi, je te check-checker. Et check ça vite, parce que... On part. Ouais, moi, c'est toi. Ah, ouais. OK, les gars, ouvrez-moi ça. C'est devant. Carte de désembarquement, Desembark Kitchen Card. Passeport, Patch Porton. Carmina Crochin. Né en 1855. À coup d'œil, il n'y a pas de faute. Oh. Bienvenue au Canada. Welcome to Canada. Mec suivant. Mon nom est Bernard Martel. Je suis de profession libérale, dans laquelle j'œuvre dans le domaine de la compatibilité des systèmes de comptabilité. Je vis présentement séparé, car ma mère est décédée depuis 3 mois. Je me quantifierai comme ayant le sens des valeurs, puisque je respecte toujours mon budget. Même si parfois je me permets... Des petites folies comme m'abonner au câble. Je fais partie d'une ligue anti-fumeur. Je préfère donc une compagne qui ne fume pas dans les endroits publics. On me considère souvent de haut, mais je ne donne pas ma place, sauf dans l'autobus. J'aime les AB, plus particulièrement le casse-tête 2000 morceaux. Mon sport favori, les échecs. J'aime les enfants, mais pas ceux des autres.
Alors, je te vois de sexe féminin. Mais au niveau de l'intimité, légèrement pubique. Quant à moi, je suis fidèle à mes principes. Je crois en la ponctualité comme un acte de tendresse. L'hygiène, un respect de sa propre propreté. Oh, en passant, un petit défaut. Je suis allergique au chat. Miaou. D'ici la fin du siècle, sûrement. D'ici la fin du siècle, il y aura une usine hamburgers à la place de mon château. Hamburgers. Oh, mon Dieu. Hot dogs, pizza, french fries. Attention, la porte. C'est un peu pour ça que j'ai débarqué en Amérique. Oh, quelle famille. Tiens, regarde. Ça, c'est le jour de ton anniversaire. La dernière fois que j'ai mis les pieds en Transylvanie. Toi aussi, tu es enfoui? Non. Ton père trouvait que j'avais trop d'influence sur ta mère, il m'a sacré dehors. Sacré dehors? Moi, de ma propre maison, t'imagines? Tu l'as vraiment très drôle, accent. Et drôle de couleur, ma tante. Appelle-moi pas ma tante, mon nom c'est Esmeralda. Esmeralda, allons, toi et moi, en Transylvanie pour les sacrés devoirs. C'est ça, demain. Carmina, mords pas le chat. Ça, ma reine, être photo? Une photo, oui. Mais comment cela est possible? Photographie de toi. Tu veux boire quelque chose? Oui, je le voudrais. Mais il nous est obligé de dormir. Le soleil va lever. Qu'est-ce que c'est? On dirait du sang des crapauds. Aie pas peur, bois ça. Du calme, Belushka. Fleur blanche, Carmina. Trillium grandiflorum. À l'époque où je suis débarquée, on la trouvait exclusivement ici. Mais c'est la racine qui a des pouvoirs particuliers. Les sorciers hurons faisaient un onguent pour guérir les tumeurs. En décoction, c'est un filtre d'amour. Mais quand il pousse au-dessus d'un cimetière ou tout autre endroit où un cadavre humain est enfoui, le bulbe se gorge des éléments putréfaction pour les régénérer. Et quand nous, les vampires, on en absorbe, ça nous permet de devenir... Oui, humains. Alors, Dromane, tu vas parler? Calme-toi, mon hérisson. Car bientôt, tu n'auras pas besoin des Américains pour détruire ton château. Rochen Karen Padwofit, Splinbeck, Pimamoro, qui est matant gâteau, au diable vauvert.
Esmeralda. Esmeralda? Esmeralda? Esmeralda! Montreal. On ne peut pas dire que ça s'est amélioré. Je suis donc arrivée ici de Saint-Malo sur le bateau d'un explorateur brûlant de découvrir le passage vers les îles mythiques. Un parpichu au nez busqué, front buté, poitrail trapu et puissant, défiant les flots de son regard de braise. Et un beau petit cul, ce qui ne déprécie rien. Ah, Jacques. Ma tante. Ma quoi? Esmeralda, tu es une véridique romancière. J'ai déjà été. Mon roman fait un grand succès. Mais à cause de l'époque, j'ai dû prendre un nom plus masculin. Bram Stoker. Ça va? Fais attention, ma petite, tu es vulnérable maintenant. Est-ce que je le suis mortel? Non. Mais sous l'effet de la potion, tu vas expérimenter toutes les sensations humaines. Le plaisir comme la douleur. Et peut-être même l'amour. Ah, l'amour? Oh, moi, je le connais. J'aime chasser quand il y a la nuit, trancher la veine et... toute la rivière de sang qui coule dans ma gorge. La souffrance, la terreur, l'horreur. Voilà ce qu'engendre ton amour, ma petite. Mais l'amour, c'est le plaisir ou la douleur? Les deux. Le plaisir du plaisir, la douleur de la douleur, la douleur du plaisir, le plaisir, la douleur. Je ne comprends pas. Moi non plus. Et j'ai 1239 ans. C'est donc Sachénagé Kalakwasamagan, le sorcier Huron, qui m'a fait boire la potion pour la première fois. Le visage trouvé par des rues d'une sagesse. Oui. Transylvanie. Retourne dans ton pays. On n'en veut pas des étranges, vous êtes. Capine!
C'est bon. C'est bon. Monsieur, j'ai enfin trouvé la flamme qui va réembraser le foyer de votre aspiration aux plus grandes passions amoureuses. J'ai hâte de voir ça là. Vous avez le mot juste, monsieur Martel. Car vous allez voir, c'est le qui va vous révéler votre destin. Vous avez un beau vocabulaire. Oui. Allez, donc. Oh, elle perçoit des affaires secrètes chez le monde, là. Comment dire? C'est comme si elle avait l'expérience d'une femme qui aurait vécu 1000 ans. Oh, un genre de Jeannette, là. Mais en plus jeune. 1239 ans. C'est une hyperbole, mademoiselle. Vous savez, son taux de réussite est de 98%. C'est quasiment surnaturel. Le 2% qui rate, ce sont des gens qui décèdent avant que leur dossier soit traité. Salut. Mon nom est Colette. Je suis assistante dentaire. J'aime les sports et je suis très sociale. J'aime les animaux. Et je recherche un homme qui pratique les mêmes goûts, mais sans moustache. Et puis, en passant, j'ai un fils qui est fumeur. Je suis pas sûr, là. Je suis pas... C'est... Cette paire vous correspond exactement, monsieur Martel. Je vous jure. Mon ordinateur peut pas se tromper. Pas d'ordinateur, le sais-tu que je suis allergique aux poils d'animal? Vous savez à quel animal vous êtes allergique, monsieur Martel? À vous-même. Vous refusez l'animal qui sommeille en vous. Et puis ce sous-poil d'animal qui se joint sous votre nez. Vous allez le raser, hein? Vous saisissez? Je saisis. Je vois la bête en vous, monsieur Martel. Laissez-la émerger et dominer les frustrations qui la domptent. Vous êtes un fauve, monsieur Martel, et cette lionne vous attend dans sa tanière. Ici, vous avez la salle de visionnement. Tous nos clients sont transférés dans la banque vidéo. Mais on ne peut visionner que 6 candidats à la fois. Hein? Ici, vous avez les télécommandes. Ça, c'est les pitons. Hein? Au revoir, ma belle, madame Quintal, et merci. Oh, monsieur Martel, vous y allez déjà? J'ai un rendez-vous demain. Avec qui? Avec le destin. Oh! Je vais devoir retourner à la réception. Amusez-vous, mais sans toucher à rien. Hein? Parce que tout ça, c'est la technologie. Vous comprenez ça, hein? Oui, oui. J'ai besoin du numéro de téléphone. Oui, j'arrive, là. Salut, mon nom est Gilles. Moi, j'aime les chars pis baseball. Moi, j'aime les chars pis baseball. Moi, évidemment, je cherche pas un Roméo, hein. Un Robert ou un Mario ferait l'affaire. J'ai déjà eu une relation avec un mannequin. Mais sexuellement, ça faisait un peu mal. J'ai passé 6 mois à l'étranger avant d'obtenir mon congé. Je cherche un homme. Pour partager mon Prozac. Mon nom est David. J'ai dans la trentaine, mais je suis malheureusement seul. Je suis un noctambule, mais j'en ai assez des relations d'une nuit. En fait, je me compare à un grand-duc qui veut se nicher avec une jolie chouette. Nous nous loverons l'un l'autre. Nous nous couvrons pour faire éclore l'amour. Es-tu là,
Mon bel oiseau d'amour, es-tu là? Oui, oui, est-ce toi qui me regarde? Alors si c'est toi, déploie tes ailes et vole vers moi pour t'accoupler. C'était une chanson jadis popularisée par le groupe Substance. Pour vous. Chers clients du délice du canton. Ce qui me fait penser à un vieux proverbe du canton qui dit « Quand on a fini, faut s'en aller. » Canton. Merci. Bonne nuit. Coudon, t'as-tu fumé, toi? Hey, what's the matter, guys? C'est quoi la musique, hein? On s'est inspiré de Bach, monsieur Wong. C'est beau, hein? On a pensé que... Vu que le spécial ce soir, c'est les petites boules en sauce rouge. Hein? Et que dans la bouffe chinoise, c'est un classique. On s'est dit qu'on allait associer le manger avec la musique. Par exemple... Le egg rock'n'roll, le cha-cha-cha main ou la samba BBQ. I don't give you money for playing, but for working. Don't worry. Be happy. On a quasiment tout fini. A few tracks to unregister and the customer can sing on the music they prefer. Pouille-pouille music. Pouille-pouille music? Oui, pouille-pouille, pouette-pouette, tagadou-doudou. Okay. But you better hurry, hein? Faut te dépêche, là. Toi, t'es pas juste fumé, toi. T'es gobé. Tu vas voir, on s'habitue très vite à dormir dans un lit. Même s'il n'y a pas couvercle? Oh, il n'y a pas couvercle, mais il y a couverte. Tu vas prendre ta potion, tu vas t'endormir comme un bébé. Un bébé? Pas de ça chez moi. Si tu veux habiter ici, tu ne chasses plus. C'est la seule règle de la maison. Comment toi tu fais? Toi, Esmeralda, dont ton nom fait trembler encore tout vampire et qui l'air dans un entrechoc parce qu'elle est respect. Oh. Une autre fois, hein? Bonne nuit. Bonne nuit.
Je viens pour m'accoupler. Quoi? Pour m'accoupler. Ah, je ne savais pas qu'il y avait un service à domicile. Je t'en prie, rentre. Mets-toi à l'aise. Est-ce que tu veux t'asseoir? Et tu peux me dire pourquoi tu m'as choisi? Tu es un grand duc? Un grand duc? Ah oui, 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 bien sûr, je suis un grand duc. Moi, je le suis fille de baron. Une baronnette. Je viens pour faire éclore l'amour. Mais on pourrait peut-être... Enfin, je vais parler un petit peu avant. Comme par exemple... Je sais pas moi... Qu'est-ce que t'aimes, toi? J'aime les chars puis le baseball. Mais en fait, j'aime surtout les femmes qui ont le sens de l'humour. C'est ça! Que t'as vu la sœur volante à l'église? Je m'en fous! Si jamais il se rend compte qu'on a pris le 2000$ du karaoké pour faire notre démo... Que t'as pris le 2000$? T'étais d'accord. Non, regarde. Avec le démo, on va avoir des contrats. Et avec les contrats, on va y faire son Christ karaoké. OK? À condition... que tu reviennes les deux pieds sur la terre puis que t'arrêtes de niaiser. J'en reviens pas. Même mon meilleur chum ne me croit pas. Moi aussi, j'ai une vision aujourd'hui. Ah ouais? Tu lavais la vaisselle au buffet. C'était peut-être ma muse. J'étais dedans. Inspiré. Avais-tu des cornes, ta muse? Salut, man. C'est Sam du Lovecraft Club. On a écouté votre démo, puis on aimerait ça vous essayer. Il y a un trou en première partie des Twisting Corps après-demain. C'est après-demain à 7 heures. Pas 7 heures et quart, pas 7 heures et 5, 7 heures. Rappel pour confirmer. Ciao. Fuck! Le Lovecraft! Oh.
Embrasse-moi, là. C'est bien. Et là. C'est bon. C'est bon. Tu fais bien ça. Ah oui, juste là. Juste là. Enchanté. Ma belle, on fait le trottoir. De quel âge? 140 ans. Et toi? Oh, une petite comique. On fait une fugue? On s'est sauvé de chez ses parents? Oui. Où c'est qu'il habite? Transylvania, près de Roumanie. La Roumanie! On va vérifier ça. Je pourrais t'arrêter si je voulais. Mais, vu que t'es nouvelle dans le bout, je suis prêt à poser l'éponge. Il va falloir trouver quelque chose à éponger, par exemple. Tu veux dire? Oh non. Je bois tout jusqu'à dernière goutte. Please, get back in my. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie, c'est une vacherie. Elle doit faire son Nautilus, elle m'a levé d'une seule main. Voyons donc. À l'arrière! Il y a rien? Tu capotes? Excuse-moi, mets-tu trop l'air, la fille, je regrette. Je viens vraiment pour ma vie. Couché, Stool. Stool, couché, il lui dit. T'as couché.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, le stool à son papa? Hein? Choqué, le petit chien? Il est choqué, le petit chien, son papa? Pitié, monsieur. J'ai une femme, j'ai un enfant à mourir. Je veux pas nourrir. J'ai le besoin de toi. Murphy. Doug, c'est piquant, hein? C'est un petit peu tough pour conduire, hein? Hey, c'est des vraies belles médailles que t'as là. Hein? Il y a du carreau là-dedans, hein? On voit que c'est pas le genre d'affaire que tu trouves dans le fond d'une boîte de Cracker Jack. J'ai chien chapeau. Flap. Où le dormir? Et pas peur, je t'emmène dans mon château. Château d'Amérique. Ouais. Dans à peine 18 ans, va être fini de payer. Hey! Chabot! Ton petit a encore pitché des larges dans ma piscine! Parfait, ben, je vais lui dire qu'il est pitch à côté. Puis ta maudite thermopompe, là, tu peux fermer! On travaille pas la nuit, nous autres! On dort! Je vais appeler la ville qui vient insonoriser la clôture! OK! Pine sawing. Pine sawing. Gigi? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je voulais pas réveiller le petit. Oh. Mon doux, t'es bien blanc. Oh, la soirée t'es rare. Qu'est-ce que t'as, là? T'es-tu blessé? Non, là? non, c'est Stool qui voulait jouer. Oh. Permets-moi de te présenter Glad. Vlad. Excuse, Vlag. Permets-moi de te présenter ma douce. Ma douce. Linda. Linda aussi, moi. Moudou! Vous avez bien aimé frites? Blague? Vlad, pardon. Lui est douanier de Transylvanie. Ce pays nouveau indépendant depuis malheureux sud régime communiste. Frontière nouvelle, douanier inexpérimentation, stasmon trial. T'es fatigué, là. Tu me racontes ça demain matin, hein? Hein? Oui, je vais aller préparer le lit de notre invité. Hein? Je vais l'inviter à dormir ici. Ça te va? Ah, ben oui! Sentez-vous bien à l'aise, faites comme chez vous. Mais pas trop, quand même.
trouver Ghislaine Chabot. Endroit sécur pour le dormir. Si vous cherchez la lime à ongles et d'un pharmacie. Oui, j'ai très assoupi. J'ai une surprise pour toi ce matin. Quoi? Manger. Manger. Parmi les plusieurs humains, c'est mon deuxième préféré. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien du tout. Tu fais une drôle de tête? Non, je ne le crois pas. David Forget, 30 ans, était à demi conscient à l'arrivée des secours. Avant de sombrer dans le coma, il n'a pu murmurer qu'un seul mot, Carmina, avec un K. Il n'y a pas juste mot de Carmina? C'est ça, il y en a plein de bottes et qui mordent mes clients en plus. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Si tu veux rester vampire, va faire ça ailleurs, pas chez moi. Mais ça n'était pas dans ta maison à toi. Pas de chat avec moi, ma petite. Tu m'avais fort bien comprise. Tu restes ici, tu te comportes en mortel, c'est clair? J'ai une vie, moi! C'est pas toi qui vas foutre en l'air 600 ans de travail! Oh non! Pas vraiment pour une niaiseuse. Oh. Pardonne-le-moi, marraine. Oh. Et ta potion? Je l'ai absorbée, mais... trop tard. Trop tard. Mais Carmina, t'as plus 100 ans! Tiens, prends ça. Elle va sonner quand tu vas en avoir besoin. Comme ça, tu n'oublieras plus. Je ne recommencerai plus. Je te le promets. Vrai, très vrai, ma tante. Appelle-moi pas ma tante. Bon, tiens, Vladimidou. Tu vas t'acheter des vêtements plus discrets. Je n'ai pas envie qu'on te reconnaisse. Merci beaucoup, là. Au revoir. Mademoiselle, est-ce que ça... Va.
Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez glissé. C'est la musique. Vraiment. Ah oui? La musique. Comme dans l'église. Oui. C'est une fugue. Moi aussi, je fugue. Vous connaissez bien Jean-Sébastien Bach? Non, je le suis arrivé seulement hier. Ah, ok. Ça explique tout. Je peux vous inviter à dîner? Vous avez déjà mangé? Oh non, jamais. Un petit italien, ça vous dirait? Quel âge? Merci. Transylvania. Très bien, bon. La potion? Non. Non, secret. Secret. Puis, oh? Qu'est-ce qui vous amène au Québec? Vous êtes en visite? Non, jamais. Je suis enfouie. Vous êtes réfugié? Ma famille est pour moi danger. Hein? Surtout Vlad. Il fait le commerce. Ah oui? Très laid. Et il veut l'union de force. C'est un marché avec mon père qui est un baron. Un baron? Un baron de la drogue. Vous vous êtes fait mal? C'est rien. Voilà, c'est fini. C'est con, là, je vous ai même pas demandé votre nom. Moi, c'est Philippe. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas. Il faut que je... prends les vidéos. Attendez! Attendez, mademoiselle! Ah!
ça, il faut être inscrit. Et pour être inscrit, ça vous prend une présentation, description, type. Hmm? Bon, bon, OK, c'est correct. J'ai compris, merci. Hmm. On sourit. Hmm? Je m'appelle Philippe Morin, j'ai 25 ans, je suis claviériste dans un groupe parce que j'ai fait des études en piano. Mais c'est l'orgue que je préfère, en particulier Bach. La femme que je cherche est difficile à décrire. Je dirais que c'est une étrangère vraiment originale, avec un regard très spécial, comme jeune et vieux en même temps. Une femme captivante. Germaine. Cucumber. Ah. La diop. La porte! Bonsoir, Philippe. Excusez-moi. Je pense que... Vous êtes au bon endroit. Esmeralda. C'est parce que... Je m'attendais à... J'ai pas l'habitude de rencontrer mes clients comme ça, mais avec vous, je fais une exception. Écoutez, j'étais un petit peu mal à l'aise, là. Entrez. On va être plus confortable à l'intérieur. C'est pour moi. Je vous ai revêt. Il y a quelqu'un? Oui, moi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Monsieur le prêtre, je cherche le joueur d'organe. Philippe, pour quoi faire? Pour m'accoupler. Si Félix n'avait pas organisé sa représentation de la Passion de Saint-Mathieu en 1829, on verrait pas le nom de Bach dans l'histoire de la musique, mais plutôt dans le livre des records Guinness pour avoir eu 22 enfants. Déclaré! Oh, un exploit pour ses épouses, je pense qu'il y avait une de ses haleines. Félix? Mendelssohn, Félix Mendelssohn. Un grand sexe sympathique, mais beaucoup trop attaché à sa sœur. Vous en connaissez tellement. À vous entendre parler, c'est comme si vous aviez été là. On dirait. Encore une nuit. Vous ennuyez pas avec mes histoires, j'espère. Oh non, 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 non. Au contraire. Mais vous, parlez-moi de vous. Je peux vous tutoyer, j'espère. Allez-y. Je dis, vas-y. Bonjour. Encore un peu. Ça va. Ça va aller. Mangez, mangez. Attendez-moi, boss. C'est ta bonne franquette. Énerve-toi pas, ma douce, là. Tu sais ce que le docteur t'a dit. Mangez! Ça va vous réchauffer! Parce que vous savez, nous, les Québécois, on est habitués au froid, nous autres aussi. Même si en Transylvanie, vous vous chauffez pas, j'avoue que je trouve ça surprenant que vous dormiez à moins 15! J'espère que ça vous choque pas que je vous dise ça, hein? Parce que moi, je suis très ouverte, point de vue. Coutume d'étranger. Vos maris également, hein? À force de fouiller des valises de toutes sortes de nationalités, ben, tu finis par découvrir différentes cultures.
bonne franquette. J'ai acheté cette bouteille-là à Régie. J'espère que vous allez l'aimer. C'est un château, ça fait que... Moi, j'ai pas tellement faim, ma douce. Assieds-toi donc avec nous autres. C'est le petit! Oh, on mange de la fondue. Chris, y a rien. Patrick, soigne ton langage. Chris, y a rien, là. Patrick, je parle pas de même à ta mère. OK, d'abord, on va parler de même à mon père. Écrase. E-C-R-A-Z-E. On a de la visite, là! Ouais, pis pas rapesti. Pas rapesti. Vlad. Hey, si les bœufs viennent, là, je t'ai ici cet après-midi, OK? Monsieur Vlad te parle. Ouais, pis pas rapesti. Tu vas répondre à Monsieur Vlad! Hey, Vlad! Vladon, chier! Hey, là, dis quelque chose! Patrick, attends pas, je me choque. N'aie pas peur, la carpette. J'attendrai pas. Oh là, je sais que ça va pas, là. Ça va pas du tout, 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 du tout. Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir un enfant pareil? Ce qu'on a fait, ça n'a pas duré longtemps. C'est pour ça que tu t'en rappelles plus. Moi, téléphone Windrowski. Pour Rimouski, c'est le 1-4-1-8. Avez-vous trouvé Carmina? Niet. C'est un gré Montréal, je ne menace pas ça pour la ville Montréal! Calme, mon hibou! Ah, apparenti! Aristocrate. Allô, Vlad? Ah. Vous savez, Carmina a des goûts excentriques, elle aime s'amuser. Cherchez dans des endroits animés, bruyants, où il y a beaucoup de chair fraîche et de sang chaud. Ya, discap. Nous partir. Où est-ce qu'on va? Discothèque. Quel genre? Excentrique. Excentrique? Pas de problème, je te mène dans le spot le plus haut en ville. Yo!
where the king gliding. Avec tes pieds, c'est de la géométrie de plancher. Botte soin de porter l'eau. Fais dans le morpion, fais dans le dindon. Suis le pied, suis le pied, suis le pied, suis le pied, suis le pied qui t'en a montré. Mange ding dong and rings, mange ta poutine, check for ta ling, mais swing la ling de ling. Swing la ling de ling, tu sois digne la ling. Lui, il chante bien. Allô? Moi, c'est Denis. Vlad. Linda. Vlad, Linda? Oh, un ben beau sou, toi et mon minou. Oh, mon Dieu, c'est Brad Pitt! Qu'est-ce que vous allez boire? Devine. Ce mélange-là qu'on essaie de faire avec notre musique. Mixer du baroque avec du rock. Du baroque rock. Demain, on va jouer du baroque rock dans un bar rock. Ça, c'est un bar rock hot avec plein de gros big shots du rock. Demain qui, on fera pas juste jouer du baroque rock, on va jouer notre avenir futur. L'avenir futur. As-tu pensé à ton avenir immédiat? Mon avenir immédiat? Oh oui, ton avenir. Immédiat? Je peux pas mon avenir immédiat. Il est nerveux de la personne. Et puis je pense qu'il y a Pierre qui m'attend au buffet, là. Faut que j'y aille. Ah bon? Massacre sans précédent dans un truquet canadien. 106 victimes ont été littéralement égorgées. Un rescapé a réussi à prendre en photo les deux agresseurs, mais bizarrement, ils n'apparaissent pas sur le négatif. Selon un autre témoin, l'un d'eux s'exprimerait avec un fort accent slave et ressemblerait étrangement à Brad Pitt. Ici René Aquilin pour Euro Broadcast News. Esmeralda? Carmina? Carmina? Philippe? Carmina? Esmeralda? Carmina? Carmina? Philippe? Philippe? Carmina? Attends! Je vais te...
écoute-moi. T'écouter? Moi, je ne le fais que t'écouter. L'amour. Carminouchka, t'es tombée en amour. Si je suis tombée, c'est quelqu'un m'a poussé. Mais c'est parce que tu es en amour que tu réagis comme ça. La souffrance. La terreur. L'horreur. Voilà ce que l'engendre ton amour. Oh, Carminouchka. Non. Tu me prends pour une niaiseuse? Ce n'est pas l'amour des humains qui t'a fait boire la potion. C'est la peur du vampire dans toi! Oh, mais... Bravo! I am sorry. Something went wrong, Mr. Wrong. It is my friend. Phillips was extremement malade. Sick de tête, toi. Oh, no. No, 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 he's not feeling good at all. Jury. Spitted. Sorry, I got a call on the other line. Allô? Oui, c'est moi qui ai réservé la fourgonnette. C'est parce qu'on a un show très important à soir. Et on a beaucoup de stock à transporter. J'ai fait une grosse gaffe, bien. Évidemment, je l'avais encore. La fille du magasin qui ressemblait à ma muse, là. Non, pas celle-là. C'est l'autre que j'avais réservée. Oui, je sais. Je devais aller la chercher à 9h. Elle s'appelle Carmina. Mais j'ai juste deux mains. Ça va comment j'ai appris son nom? Non, je veux rien savoir de ça. Non, c'est pas à vous que je disais non. Excusez-moi, j'ai un autre appel. Allô? Oh! Mr. Wong! J'ai couché Allô? Avec sa mère! I did not wrong, Mr. Wong? Oh non! C'est cool, là, que je sais pas! This is a mistake. A big, big, big mistake. C'est ça que je te disais. Puis j'ai gardé la vanne, j'arrive. Yes! Yes, sure! M'en va à l'église, attends tout. Il arrive, c'est ton faux, je te parle! Oh non! Non, no, not you, Mr. Wong. Non. J'ai rêvé d'une femme flottant dans les cieux. Et la voilà qui se crame. J'ai fermé les yeux. J'ai revu cette femme, les deux pieds sur terre. Elle m'a fui, quel drame, avant le dessert. Je croyais te retrouver. Je me suis fait fou. Voyez, dans les bras d'une autre dame. J'ai soufflé sur notre flamme. Oh, tu fugues ma muse. Et ma fugue t'amuse. Tu m'as plu dès le début. D'autant plus je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Je t'entends, c'est toi. C'est cool, s'il te plaît. Ici. Carmina. Why? Est-ce que je t'ai fait mal?
me pardonnes-tu? Je ne le sais pas. Je comprends. Mais penses-tu pouvoir un jour me pardonner? Je ne le sais pas. Peut-être qu'avec le temps, tu vas pouvoir. Je ne vais pouvoir. Je ne le sais pas ce que c'est que pardonner. Ah, pardonne-moi. Je veux dire, excuse-moi. Tu le sais vraiment pas? Nietzsche! Pardonner, c'est... Par exemple, si je m'excuse de t'avoir blessé, même si t'as envie de plus jamais me voir, ben, tu me pardonnes. C'est-à-dire que tu continues à me voir pareil parce qu'il y aurait quelque chose de plus fort que ta douleur. Et toi? Si c'était moi qui avais dormi avec ta tante? Je te pardonnerais, je te le jure. Je te dirais, Carmina, tu m'as fait mal. Je sais qu'on s'est rien promis, mais j'ai envie de toi. Puis je sens que toi aussi, t'as envie de moi. Puis... Sauve-toi pas. Carmina! Vous faites vous sans crainte. Dieu vous accordera un miséricorde. Carmina! Carmina, pourquoi tu te caches tout le temps? Je ne peux pas. Que ça me fasse que tu viennes d'un autre pays? Peu importe nos origines, Dieu nous considère comme ses prépis. Oh non! Je souhaite quelque chose d'impossible. Je le sais, tu te drogues. Je vais t'aider à t'en sortir. Si tu veux, il n'y a rien d'impossible. C'est vrai. Moi-même, je ne crois plus. Mon père, ma mère, Vlad et moi, nous le sommes des monstres. Tu le comprends? Je vais te cacher. Tu peux changer de nom. Il n'y a pas un clôture à gage qui va pouvoir te trouver. Mon neveu a un chalet. Ce n'est pas ça. Carmina? Carmina, t'es là? Attends, Philippe. Attends, il est trop tard. Oh, je vais te faire le mal. Je sais pas de quoi tu parles. Ça ne fait pas peur. Sors de ta cachette, OK? Je t'en supplie. C'est peut-être ridicule, là, mais je me sens tellement attiré par toi, puis j'ai tellement l'impression que toi aussi, tu... Ben, que... Ça serait plate que... Hey, chabot! Un petit café où? Tu parles d'une heure pour ton gazon!
T'es-tu malade dans la tête, chabotte? Le monde dort! Pas le nécessaire. Si tu le passes, cette affaire-là, tout de suite, je te mets mon poing sans gueule en sang! T'as-tu compris? En sang! Ma douce, napkin. Oh, voulez-vous d'autres napkins? Bonne franquette. Ah, oui, c'est comme pour le poulet, ça. Ça. Ça se mange mieux avec les doigts. Là. Je l'adore. Cherchez la sensation grisante de l'amour puissant, la présence d'un être qui vous complète et qui vous accompagnera jusqu'à la mort. Grâce à son service personnalisé, l'agence de rencontre Soleil de Minuit le trouvera pour vous. Soleil de Minuit, réunissez-les-lui pour la vie. Soleil de Minuit, l'agence de rencontre où on vous rencontre. J'ai laissé en garantie la télévision, le magnétoscope, le bicycle de mon frère chez M. Wong. J'ai repassé les costumes, j'ai fait le setup, le sound test, tout seul, puis on est déjà en retard. 5 minutes, je te le jure. 4,59, 4,58, 4,57, 4,56. Allô? Y a quelqu'un? Carmina? Allô? Je suis un ami de Carmina. Philippe? Vlad. Ah, c'est toi, ça, Vlad? Toi, tu me connais pas, mais moi, je te connais. Carmina m'a tout raconté sur toi. Et hein? Où est-ce qu'elle est, là? Tu gâches qu'elle est ici, puis que tu l'as enfermée quelque part? C'est dans vos méthodes, ça, non? Carmina? Je sais pas quel genre de gang vous êtes, mais Carmina, elle avait pas à faire partie. Je l'aime. Je vais tout faire pour qu'elle s'en sorte. C'est quoi le deal, là? Tu veux-tu de l'argent? Il paraît que t'aimes ça, l'argent, combien tu veux? Toi, si jamais tu as fait quelque chose, tu vas avoir affaire à moi. Carmina? J'ai scrappé ma chotte. Incapable!
Tu vois, nous avons fait bien de venir. À qui est-ce? Carmina. Lui, amour d'elle. Ça? Yeah. Ah, par le diable, Vlad, qui avez-vous mordu? Alberto. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tabarnak! Vlad, Linda. Je peux qu'en double. De rentrer et d'épouser Vlad. Gamine, va. Je vais lui laisser la vie. Mais juste un peu. Esmeralda, ma chérie, que je suis heureuse. Ludmilla, au château, je t'ai juré de ne jamais toucher à Socloporte. Mais aujourd'hui, il est chez moi. Ah. Vache qui rit, pas ses dates. Trotty-Port.
choisis ton arme. Lui. Moi? Oh, oh, hey, c'est fun, hein? Oh, 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 Vlad! Mais, pardon. Bravo, Lumina. Je t'offre un poste à mon agence. C'était la seule façon de les réunir. Non, de nous réunir. Ceci est mon sang. Livré pour vous.
À la potion. À l'amour. À l'amour. À l'amour. Tout le monde arrête pour une danse en ligne, mais on sur le swing. En moins de deux, et tu l'apprends, ça prend moins deux de caution. Ah ouais, fin comme moi. Un pied dans l'arrière, un pied dans l'endroit. Fais dans le mouton, fais dans le dindon. Suis le pas. Présentation de moi, Vladimir Sanguiners. Businessman très navet. Yeah, recherche, madame. Beaucoup d'argent pour mariage canadien. Qualité requise de féminine épouse. Repasser vestiment. Préparer potion hebdomadaire. Engendrer progéniture de Vlad. Etcheterich. Bonne franquette. Fais dans le morpion. Fais dans le dindon. Suis le pied, suis le pied, suis le pied, suis le pied, suis le pied qui t'en avant toi. Mange tes gangs and rings, mange ta poutine. Check for ta ligne, ben swing la ligne. Sois digne de la ligne. Musique. Suis ma botte et suis ma botte avec un giclotte. J'ai crié la ligne, pas ma ligne. Raccroche pas la ligne, swing la ligne.